Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce vlog créatif. Il va être très varié, on va parler de mes projets en cours, on va aller au festival Laine à l'Est, on va aller en week-end près de Vichy avec plein de tricopines, on va faire un unboxing, un déballage d'un colis de Caro from Mouland, on va voir qu'il n'y a pas que des vaches et des chiens, il y aura aussi des alpagas. On va donc pas mal voyager. Alors, je vous propose de prendre votre boisson et puis de vous installer confortablement avec votre ouvrage et de venir avec moi pour ce vlog qui, j'espère, vous plaira. C'est parti! Si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez que je fais un Weekender Light pour ma filleule Louise qui a 13 ans. Et que le projet se commence par un tubular Carcassonne que j'avais essayé de faire et j'y arrivais pas. Et grâce à vos commentaires, j'ai découvert une nouvelle méthode pour faire le tubular Carcassonne. J'ai utilisé une vidéo de Claude Tricot que je vous mets en barre d'infos. Et du coup, je suis bien contente parce que j'ai pu redémarrer mon projet en faisant le tubular Carcassonne et donc pas de frustration de faire juste un long tag Carcassonne comme je fais d'habitude. Donc voilà, je vous recommande vivement cette vidéo de Claude Tricot. Elle donne une méthode qui est vraiment bien plus simple que la méthode peut-être classique du tubular Carcassonne, je sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus simple et je la réutiliserai si j'ai besoin d'en faire un. Figurez-vous que le jour où je rentrais sur Paris, c'était le dernier jour du festival Laine à l'Est et que c'était vraiment, mais vraiment sur mon chemin. J'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Et je vous fais faire un petit tour du coup. Plus ça va et plus j'aime marquer le changement des saisons. Alors j'ai eu envie de me faire cette petite guirlande d'automne. Donc voilà, je suis partie à fouiller dans mon stash. Voilà ma sélection finale. Donc je pense faire mes citrouilles avec cette couleur là. Et puis voilà, des feuilles, les petites queues des citrouilles, les petits glands. Et
voilà, je pense qu'il y a à la fois une unité sur des tons très simples, très un peu doux d'automne, et puis quelques petits peps, quelques petites couleurs bien strong, voilà, petit bleu là, qui peuvent par petites touches donner un petit coup de peps pour pas que ce soit trop triste. Voilà mon idée. Et puis après, en faisant, bon, ça va y avoir le côté mystère et inattendu qui va intervenir. Je vous l'avais annoncé, on va faire un unboxing parce que je me suis fait un plaisir et je me suis commandé un colis chez Caro From Woodland. J'ai celle de l'année dernière et la nouvelle. J'adore. Ils sont pas trop belles. Hop. Et ça, c'est une petite attention, je suppose. De la marque Tea Heritage. Et quand je dis que j'ai pas été raisonnable, c'est que donc quand j'ai commandé l'autre fois celle-ci, j'ai eu ça et du coup je m'en suis commandé parce que il est trop bon aussi. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Si, c'est bien. Je suis trop contente. Mais ça va être trop chouette. Pour la deuxième citrouille, j'ai abandonné les aiguilles double pointe et j'ai pris du Magic Loop, deux aiguilles. Et je le regrette vraiment pas. Pour moi, c'est beaucoup plus simple hein, quand même. Vous apercevez les écheveaux sur le canapé
que j'ai sortis de mon stage. Ce sont des échevaux de laine non teinte. C'est du mérino yaksois. Je vous dis pas la douceur. Et ces échevaux vont me servir à faire mon tout premier test d'un vrai vêtement de tricot, un gilet que je vais faire pour un amour de laine qui fait une collaboration avec l'atelier de teinture. Si je ne fais pas de test d'habitude, c'est parce que je suis très stressée par les délais, parce que j'aime pas me mettre la pression pour ça, et puis comme je fais une grande taille, c'est toujours très long. Et je trouve souvent que les délais ne sont pas suffisants, en tout cas pour mon rythme de tricot. Et là, en l'occurrence, Virginie, donc de l'atelier teinture, laisse un délai tout à fait raisonnable. Donc même si j'ai quand même un petit stress, j'espère que ça va aller. Donc voilà, je prépare le test et je bobine et c'est parti, et advienne que pourra. Je ne travaille pas parce que je vais rejoindre plein de drag copines. On va être 9 près de Vichy. Donc je vais bientôt prendre la route et aller les rejoindre pour un week-end génial. Donc je rejoins 8 drag copines, mais ce soir on a aussi des tricoteuses de Vichy qui vont venir nous rejoindre au gîte qu'on a loué pour passer une soirée ensemble. Et on a plein de programmes, dont la visite de la boutique à Vichy, My Shop, aller voir des alpayas, et puis bah voilà, être ensemble et se marrer et tricoter. Donc j'ai vraiment hâte.
résultat des courses parce que évidemment j'ai craqué pour ce magnifique marron qui est peut-être un peu plus foncé en vrai qu'à l'écran. Et vous avez vu, vous avez le nom de la bébête dont c'est la laine. C'est super chouette. Donc je vous dis pas, hein, c'est d'une douceur incroyable. Donc voilà, c'est l'alpaga et filature de l'aube pierre à Cusset, si jamais voilà, ça vous intéresse. Et donc il y a un magasin d'atelier. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tricoter, de faire des choses de vos mains et de passer de bons moments avec les amis. À bientôt, j'espère.